Et bonjour tout le monde. Bonjour. On est où là? On est au milieu du monde. On est sur le parking de Tournabout au-dessus de Barèges. Et alors je ne sais pas si vous voyez, il y a du monde partout. Il est 9h05, les stations ne sont pas encore ouvertes. Bon, et nous aujourd'hui on va s'enquiller dans la vallée qui est face à nous là-bas, Aigueclouse. On va aller faire le refuge d'Aigueclouse dans un premier temps, et puis selon la qualité de la neige, c'est toujours pareil, peut-être le... Selon la qualité de la neige, la qualité de nos cuisses aussi, on fera le col de Barèges ou pas, on verra. Mais au moins jusqu'au refuge d'Aigueclouse, et après on verra sur la neige. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est pas chaud, oui. Pas trop, non. Au moins, ça caille. Bon, on va remonter la piste un petit moment et après on va quitter le domaine skiable pour suivre le sentier qui mène au refuge d'Aigueclouse. Ouais, ça fait un quart d'heure qu'on marche et on voit déjà que la neige est de mauvaise qualité. Dès qu'on fait un pas, ça craque bien autour. Quelque chose me dit que ça m'étonnerait qu'on monte au col de Barèges. Ça a commencé à purger un peu partout. Elle te plaît la petite séance de droit dans le pentu là? Hein? Elle te plaît la séance de droit dans le pentu? Je suis de petit. Hein. La neige n'est pas forcément porteuse. Non, c'est usant, hein, ça, dès le début. Hein. Mauvaise qualité, ouais. Ça promet pour la suite de la randonnée. Et donc là, on va rejoindre la piste qui passe juste au-dessus en espérant qu'on galère un peu moins avec des traces précédemment faites. La montagne est en train de purger. C'est mieux que de s'apporter, hein? Ah bah c'est sûr. On y laisse moins d'énergie, mais bon, de toute façon, après il n'y aura pas plus de traces, hein, je pense pas. Si, sur la rue, il y aura la trace, mais je pense pas qu'on y arrive plus. Hein, ah non, c'est pas top la qualité de neige. Ouais. C'est épuisant, c'est énergivore. Ouais. Il y a quantité de skieurs de randonnée qui montent en direction du barrage d'Aigueclouse. On y est venu il n'y a pas très longtemps pour faire le pic de Trassen justement. Voilà, allez, on laisse le mur d'Aigueclouse à notre droite et on continue sur la gauche en direction du refuge d'Aigueclouse. On va s'enfoncer dans un joli petit vallon bien sauvage. On arrive dans une zone de chaos. Normalement l'été, le sentier passe au-dessus, là où il y a les traces de ski. À cette saison, on peut se permettre de couper droit dans la pente.
bien, hein. Mmh. On sera mieux assis tout à l'heure. Ouais, bon, on est bientôt arrivé là. Ouais, je pense que dans une demi-heure, je pense. Ouais, moi c'est pareil, c'est ce que j'allais dire. Allez, dans une demi-heure, on mange. Ouais, c'est 11h15. Parfait, parfait pour la bière. À gauche, on a le pic des Gueucluses. Là, on a le pic de Gourguet qu'on a déjà fait. C'est beau, hein? Ah, les derniers mètres avant d'arriver au refuge des Gueucluses. C'est splendide. Toujours la même régalade, ce vallon des Gueucluses. Ah, le refuge des Gueucluses est juste derrière là. Et merci. Et voilà, merci à vous. Bonne journée. Voilà. Bon, maintenant qu'on est passé au stand pour le ravito de la bière, on continue un petit peu. On va aller au-dessus voir le lac de Galops. On laisse tomber. Non, pas à Galops. Hein. À Galops, c'est pas à Galops. Non, c'est Couille là. Voilà, je raconte que des conneries en fait. Couille la grande. Le Galops, c'est encore plus loin. Bon. Ah ouais, non, alors on ira. Comme on est feignant, on va pas y aller. Non, il est midi. On est sorti déjà deux fois ces derniers jours. Ça suffit là. Oui, ça suffit. Allez. Ah, sinon, le col de barrage, c'était à droite par derrière là-bas. Entre le pic des Gueucluses et le pic de Gourguet. On va être bien faire la pause déj. Bon, on se la boit, c'est bien. Hein, on va la boire. Hein. Oups là. Ça mousse, c'est de la bonne. Hein. Thank you.
Bon, t'es prêt? On repart? Et oui, c'est l'heure. Hein. T'es bien, mais pour dormir, on est au temps un peu moins bien quand même. Hein. Ah non, elle est nuit, ouais. Trop bien. Ouais. Trop sympa, la terrasse déjà encore. Allez. Allez, go. Bonjour. Je ne sais pas si c'est ce breuvage, la digestion, la montée ou la chaleur, peut-être les quatre. Oh, mais quelle figure cette petite côte! La neige transforme Max, et là, franchement, c'est un peu galère. Il est beau ce petit vallon, hein? Ah ouais, c'est calme, tranquille. Personne. Il faut qu'on rejoigne le plateau qui est tout en bas là. Il y a plein de petites coulées partout là. Les petites corniches qui se cassent la figure. Ah, bon, on dirait qu'il y a des nuages qui arrivent là-bas. Demain, il doit faire moins beau. C'est peut-être ça qui arrive déjà.
Alors on est de nouveau à la croisée des chemins. On a le beau mur d'Etzkubutz derrière. Il n'y a personne qui descend, c'est bien dommage. Et on va redescendre tranquillou jusqu'à Tournabout. On aperçoit Tournabout tout en face. Bon, c'est là qu'on risque notre vie. On traverse une piste de ski. Ah, il y a même un loup qui tourne. On traverse ? Merde, on est trop haut. Putain, là, ça sent la bûche là. N'importe quoi. Je tombe au moins. Hein. Ouais ? Putain, tu maîtrises toi. Oh, ça va, comme c'est de la soupe, on risque pas grand chose. Voilà. Remonte de bas. Je pense que la station a fil plein aujourd'hui. Bon, ça y est, clap de fin pour cette troisième sortie en une semaine. Donc on en a plein les pattes, en plus la qualité de la neige est assez mauvaise, donc au retour on en a bien chié. On aurait fait quand même 14 bornes et quasi 800 des plus, donc ce qui est pas mal. Ouais, hein, ça suffira pour aujourd'hui. Voilà, et demain je pense qu'on va faire barbecue à la maison, tranquille, avec le petit verre de rosé. Le ou les verres de rosé. Bon allez, on vous dit à bientôt. J'espère que vous êtes régalés vous aussi. Ce vallon des Gueucluses, il est vraiment génial. Et puis on vous dit à une prochaine. T'as un truc à rajouter ? Non, tout va bien. Bon, je m'adose. Allez, on fait check. Check. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.